Madame, Monsieur, pour vous souhaiter la bienvenue. Le chef tenait à vous faire partager une feuille de consoude qui a été gaufrée, accompagnée de sa gelée d'agrumes de notre serre, ainsi que la friture de l'oie. Vous allez retrouver le gardon, accompagné de moutarde d'Orléans et d'ail des ours. Très belle dégustation. Exactement, c'est la cuvée signature qu'on aime beaucoup. Alors, Madame, Monsieur, nous allons continuer avec les amuse-bouches. Je vous invite à commencer sur votre gauche, avec la gavotte Ogouda de Touraine. Poursuivre sur notre tuile autour des pois chiches de Beauce. Vous allez voir, c'est légèrement fumé. Et enfin, nous venons terminer votre dégustation avec la tartelette au tarama de brochet de Loire et son bol de pomelos. Excellente dégustation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que c'est là La blesse. Le poiré Adria. Madame, Monsieur, pour venir accompagner votre déjeuner, je vais vous verser une huile de colza qui a été torréfiée spécialement pour la maison, pour rappeler les origines familiales et fermières de notre chef. Vous allez retrouver le pain de son. Le son, c'est ce qui vient entourer notre graine de blé. Il est réalisé par notre chef boulanger au sein de Fleur de Loire. Et enfin, nous allons terminer avec nos deux beurres. L'un est demi-sel et le second est au caviar de Sologne, de la maison NK. Tu vas s'inviter à 45 minutes de bois. Je vous souhaite une excellente dégustation. Donc là, on va débuter avec l'oreiller donc, de la Belle Aurore. Donc ce montage emblématique créé par Bria Savarin. Il en a créé plusieurs. On a la toque du président, le chapeau de Monseigneur de Quincé et l'oreiller en fait en honneur à sa mère. Donc à la base, c'est un montage emblématique qui pèse 30 kg et qui est composé de 15 viandes différentes. Nous, on s'est concentré que sur 3 gibiers à plumes. On a la poule faisane, la perdrix et le colvert, avec une farce autour du veau, du riz de veau et de la truffe. Ça va rapporter vraiment beaucoup de moelleux et du foie gras, bien évidemment. Pour l'accompagner, je vais vous ajouter ce sabayon à la santoline. Donc ça va ramener beaucoup de fraîcheur à votre dégustation puisque la santoline c'est une herbe aromatique avec ses notes mentholées. Et dans le bol, donc sur votre gauche, vous allez trouver les cuisses des gibiers qui sont confites. Sur le dessus, une salade d'herbes fraîches du jardin, ça va rapporter beaucoup de ce côté végétal en fait à votre dégustation. Et on vous laisse cette cassolette au centre de la table, il ne faut pas hésiter à y retourner. Bonne dégustation. Vous allez bien? On va continuer ici avec les cèpes solognaux. On est venu les cuire en vapeur de sous-bois. Également un travail avec la tome de Beauce. Là, on est vraiment sur un fromage qui est local de notre région. On va vraiment aller chercher un peu ce côté lactique et réconfortant. Et on termine ici avec un coulis de cresson à l'énois de notre jardin. Là, c'est plus aller chercher le côté végétal et poivré. Profitez bien et très belle dégustation. Oui. Qu'est-ce que c'est là, tout de suite, sur le steaking? C'est la selle du mouton. Là, on va passer au gibier à poil maintenant. On a le mouflon de Chambord. Vous savez, hein, le mouflon qui a été introduit dans les années 50 dans le parc de Chambord. L'idée était vraiment de préserver l'espèce.
Et on s'est rendu compte que les mouflons se faisaient énormément à Chambord et ils ont laissé. Maintenant, au-delà d'en avoir dans nos forêts, on en a notre carte. On a à gauche le carré qui a été rôti. En haut à droite, on a travaillé la cuisse du mouflon dans un feuille à feuille de chou pancalier de Touraine, une variété de chou de notre région qui a été réimplantée grâce au conservatoire des graines de Tours. En bas, on a la selle du mouflon qui a été travaillée avec une emberée de chou pancalier également. Et au centre, le Sparasis crépu, qui est aussi appelé la morille des pins. Un champignon qui pousse à la souche des pins. On en retrouve dans nos forêts du côté de Montpré-Chambord et du Buisseau-sur-Cosson. Donc la même texture que la morille, vraiment des très belles notes sur le sous-bois. Et là, je viens vous servir ce jus de mouflon, le jus du buisson rôti. Passez un bon moment, profitez bien. On poursuit le déjeuner avec cette pause végétale autour de l'oignon du jardin. Donc dans la raviole, vous allez trouver cette brunoise qui est confite. Sur le dessus, on a un condiment à l'oignon brûlé. Et pour terminer, je vous ai versé donc cette eau d'oignon infusée au thym frais du jardin. Le but, c'est vraiment de vous laver le palais pour vous préparer sur la suite du déjeuner. Bonne dégustation. Allez, on poursuit donc avec le lièvre à la royale. Donc on a trois préparations différentes. Hein. Donc on a Antonin Carême et le sénateur Couteau. Donc Antonin Carême qui est cette version où justement le lièvre est désossé entièrement à plat et ensuite farci. Donc ici on a une farce avec le foie gras, la truffe, la chair du lièvre et puis les abattis. Et au centre, on aura une farce fine de lièvre avec la livèche. La livèche qui va apporter justement la fraîcheur. Sur la droite, on aura sénateur couteau, ce qui est cette version effilochée en crépinette. La crépinette, c'était vraiment pour reprendre justement un peu ses souvenirs d'enfance. Ma maman, elle me faisait souvent les petites crépinettes comme ça. Vous allez voir, on va apporter un peu de croustillant également. On aura un condiment à la tomate verte, dernière tomate du jardin, ce qui va apporter ce côté un peu acidulé. Et puis la dernière version où on aura justement le vermicelle de châtaigne avec tous les éléments, donc le foie gras, les petits légumes qui ont servi justement à faire le bouillon, et on finit avec le consommé de lièvre. Et on va finir donc avec cette sauce hein, qui est montée au sang. Attention, on est filmé, hein, la plupart des gars. Soyez sérieux, les gars. Enfin, les filles, surtout, parce qu'on est envahis. Bonjour. Votre prénom ? Diane. Ah oui, c'est vrai, vous l'avez. Bonjour, monsieur. Donc, après ça, je pense pas que vous l'ayez goûté celui-ci. On l'a travaillé autour du pané, le pané du jardin. C'est intéressant. On a un pané cuit qu'on a caramélisé et vanillé. Et dessus, on a mis une crème fermière. Donc, c'est une crème avec un yaourt de chèvre pour aciduler légèrement le dessert et aciduler un peu les saveurs. Et dessus, on a fini avec une glace à l'huile de noisette. Donc, c'est l'huile de noisette du chef, donc des noisettes qui sont pressées à froid. Pour avoir une huile très puissante et qui va bien enrober avec le goût du pané. Donc c'est assez intéressant. Et dessus c'est une petite gavotte croustillante également à la noisette. Vraiment noisette et pané c'est plutôt sympa. Et très végétal aussi et très sain. C'est le pané du jardin. C'est excellent. Bonne dégustation. Excellent. Non. Vas-y, le soufflé, comme j'ai dit, champignons châtaigne. Donc on a aussi la châtaigne fraîche dessus et puis à l'intérieur c'est une purée de champignons. C'est des champignons d'essai qu'on a réduit en purée et après on a fait souffler avec. Donc là c'est vraiment 100% champignons. Et à droite on a fait des poires en différentes textures. Donc on a des poires pochées, des poires semi-confites et des poires déshydratées avec une chips de châtaigne. Donc c'est la feuille que vous voyez, donc c'est une chips à la châtaigne. On a fait également un crumble à la châtaigne avec un sorbet poire, à l'eau de vie de poire. Donc c'est l'eau de vie d'olivet. On utilise sur la main intérieure pour apporter un petit peu de peps au dessert et on vient juste rajouter dessus
le petit jus, jus de pochage réduit, coupé un peu avec de la bergamote pour apporter de l'acidité. C'est du cèpe. C'est du cèpe. Du cèpe en purée réduite, et puis après on fait le soufflé. Deuxième étape. Donc là, soufflé à la châtaigne de marron. Et on a fait également les poires à droite. On a une chips de poire et je vous ai mis un sorbet au coin. Parce qu'on a un nouveau dessert au coin, donc je me suis dit, vous allez peut-être goûter. C'est un sorbet en fait au coin et à la liqueur de coin. En fait, on cuit les coins pendant 3 jours sous vide. On récupère le jus et on fait le sorbet avec. Donc c'est assez intéressant. Et je me suis permis de ramener un petit praliné à la châtaigne pour mettre dessus. Voilà. Hein. Voilà. Tu peux tout te permettre. Voilà, faut goûter. Hop, vous m'en direz des nouvelles. Pour terminer votre repas, le chef pâtissier vous propose un rocher noisette et son gel de bergamote. Vous allez retrouver une pâte de fruits à la tomate, également un chocolat noix, un gel de gingembre parfumé au café, une nonnette. Donc là, on va aller chercher l'esprit du pain d'épices avec une gelée de groseille à l'intérieur pour apporter un peu de gourmandise. Et une tarte citron, on va se rafraîchir palais, un gel de menthe et meringue. Bonne fin de repas à vous.